l'UNAM d'avoir organisé cette exposition et cette conférence pour deux raisons. Alors, on dit que le mot espace, c'est un mot masculin, mais l'exposition montre que ça n'a rien d'exclusivement masculin, donc je crois que c'est important. Et puis, plus généralement, il faut absolument, par ce type d'exposition, par ce type de conférence, montrer aux femmes que la science n'est pas réservée, n'est pas interdite pour elles plutôt, et réservée aux hommes. On s'aperçoit que les cultures, dans les lycées, les sections scientifiques sont en majorité masculines, il n'y a aucune raison. Et que dans la suite, les ingénieurs, il y a très peu d'ingénieurs femmes. Donc moi, je remercie les conférencières de ce soir d'avoir accepté de venir pour présenter votre parcours, ce que vous faites. Et c'est très, très important, et on en discutait. Et vous pouviez aller, et je sais que vous le faites déjà beaucoup dans les lycées pour que les élèves de seconde puissent vraiment dire la science, c'est pour nous. Parce qu'on a deux problématiques en ce moment, si on regarde l'enseignement supérieur. C'est, en général, les formations scientifiques, que ce soit par les garçons ou par les filles, sont moins demandées. Et on va avoir un problème à un moment donné. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens. Et en plus, c'est encore moins demandé par les femmes. Donc, il faut résoudre ces deux problèmes. Et vous qui êtes là, qui allez écouter ce qui se dit ce soir, si vous pouviez le diffuser largement auprès de gens que vous connaissez, quoi. En disant, même à des filles, mais c'est pas impossible. Ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, on disait, il n'y aura pas de femmes footballeurs, il n'y aura pas de femmes pompiers. Ben, il y en a, et maintenant, ça paraît pas aberrant. Alors, pourquoi il n'y aurait-il pas des femmes, plus de femmes ingénieurs? Voilà. Bien, merci Madame Denier. Et ce que je vous propose, c'est de passer aux conférences. Alors, dans un premier temps, on va avoir un entretien filmé qu'on a réalisé il y a 15 jours au siège de l'Agence spatiale européenne avec Claudia Nuré, qui est une figure emblématique évidemment de l'espace. Il se trouve qu'aussi l'Agence spatiale européenne est l'un des partenaires de cette exposition avec CIPAPREL, donc qui est l'agence de presse. Donc voilà, Claudia Nuré a gentiment accepté de nous recevoir et elle va parler aussi de cette exposition et puis de cette problématique avec ses mots à elle. Et puis on va assister à une conférence de Fatoumata Kébé qui se présentera, ce sera plus simple, mais qui est un peu l'ambassadrice de cette exposition depuis le début, depuis 2015, donc quand elle a été mise pour la première fois sur les grilles, ce que disait Sophie tout à l'heure, du Musée des Arts et Métiers, et en même temps, au même moment, de l'Observatoire de Paris, puisque c'est aussi toute une série de partenariats au-delà des deux principaux, qui est intéressant, c'est aussi avec des agences, aussi en Chine, aussi en Russie, en Turquie, enfin, c'est aussi les photos que vous voyez. C'est un partenariat qui part de deux éléments, mais qui est aussi international. Et l'espace, c'est aussi un projet international au-delà des petits conflits ou des grands conflits, malheureusement, qu'on peut avoir nous sur Terre, mais en espace, il y a une station internationale spatiale, il y a des projets qui sont internationaux. Donc c'est aussi un autre message de cette exposition, c'est qu'on peut se mettre aussi tous ensemble, travailler malgré toutes les différences qu'il peut y avoir, pas seulement de genre, mais aussi, y compris idéologique et autres. Donc Fatoumata a été, et c'est elle qui est sur la photo de l'exposition officielle. Et puis on a souhaité vraiment, et je vous remercie Mme Prédhomme, qui représente le CNRS, avoir aussi dire l'espace, c'est Toulouse, bien sûr c'est Baïkonour, c'est Houston, mais l'espace, l'aventure spatiale, elle est aussi en région centre. Voilà. Et dans des laboratoires, des gens qui... Et donc on a pu avoir cette chance de pouvoir négocier avec CIPA, donc l'agence de presse, qu'un photographe, une photographe, vienne photographier, en l'occurrence c'est Dina Cicata, qui est présente et qui va aussi faire une intervention, qui est au laboratoire ICAR, qui va parler des plasmas, qui va parler de sa spécialité, et qui... c'est la recherche en région centre.
chez nous, ici, mais qui concerne l'espace, la propulsion, des satellites, ben voilà, ça se fait aussi chez nous. Bon, Clélie Honoré, merci de nous recevoir au ciel donc de l'Agence spatiale européenne et de nous accorder cet entretien pour, dans le cadre de cette exposition qu'on met en place en région centre, donc la région centre en partenariat avec Centre Sciences, le CNRS, le lycée Benjamin Franklin et bien sûr le SA et Sipa Press. Et ce qu'on souhaiterait, c'est un petit peu, voir un peu avec vous, un peu votre parcours, parce que vous avez quand même certains parcours exemplaires, mais aussi discuter des problèmes, sensibiliser les jeunes aux carrières scientifiques, qui n'est pas que effectivement partir dans l'espace, mais qui est aussi tout un environnement technique, humain, ou autre. Donc un petit peu, vous, votre parcours de médecin au départ. Oui, bonjour, et très heureuse de partager ce moment avec la région centre, Centre Sciences, le CNAM, ce joli lycée. Pour parler justement de ces carrières scientifiques, ces carrières d'ingénieur qui donnent beaucoup de bonheur. Je pense pouvoir en parler parce que j'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie professionnelle, effectivement, même plusieurs vies professionnelles, en démarrant comme un médecin rhumatologue, et puis en découvrant un petit peu les hasards, les opportunités de la vie. Un appel à candidature du Centre National d'Études Spatiales, il y a 30 ans maintenant, c'est en 85, pour devenir un astronaute et prendre en charge des missions scientifiques à bord des stations spatiales. Donc voilà, ma vie qui change à ce moment-là, et je deviens astronaute du CNES et puis de l'Agence Spatiale Européenne, et j'ai la chance d'effectuer deux missions spatiales. Une première mission à bord de Mir, où j'avais une fonction de scientifique et de gestion du programme scientifique à bord de cette station qui est un laboratoire en microgravité. La gravité est pratiquement annulée et on peut se poser des tas de questions scientifiques pour comprendre le fonctionnement du corps humain, pour comprendre l'écoulement des fluides, la combustion, plein de sujets très, très intéressants. Et puis une seconde mission à bord de la station spatiale internationale, qui est encore aujourd'hui en orbite autour de la Terre, en coopération internationale pour maintenir ce laboratoire et puis envisager ses extensions, le devenir, le futur, donc à la fois scientifique, à la fois ingénieur dans cette seconde mission, en ayant la chance de rencontrer, c'est ça ce qui est merveilleux dans la science et la technique, de travailler en coopération internationale avec des partenaires russes, des partenaires américains, des partenaires chinois. On a parfois le sentiment qu'aller vers une carrière de scientifique ou s'engager sur un métier d'ingénieur, ça va nous confiner dans un domaine. Et le spatial, pour moi, tel que je l'ai vécu, c'est quelque chose qui m'a fait rencontrer des gens de cultures très très différentes, de formations très différentes, scientifiques, ingénieurs et même architectes, juristes sur certains sujets. Et donc, quelque chose qui est très ouvert et tout à fait passionnant, parce qu'on a vraiment l'impression de faire avancer non seulement la connaissance, des questions auxquelles on peut apporter des éléments de réponse, mais aussi réellement fabriquer des choses. Alors, parfois, ça prend beaucoup de temps. Et le spatial, c'est à la fois passionnant et puis c'est toute une vie engagée. Je pense que vous avez tous vibré à voir la sonde Rosetta et puis son petit atterrisseur sur la comète Chury. Vous avez sûrement rêvé là aussi à cette mission Cassini qui vient de se terminer pour explorer une lune de Saturne, Titan. Donc ça, ce sont des missions qui durent 20 ans, mais on ressent cet engagement, cette passion de gens de nature très très diverses, à la fois ces scientifiques, à la fois ces ingénieurs qui ont réalisé la capacité à communiquer de la sonde, sa capacité à envoyer des images, à sentir les gaz autour de la planète Mars. Voilà, c'est des métiers absolument multiples, avec des aventures tout à fait passionnantes.
et l'Agence spatiale européenne a très envie d'ouvrir ces possibilités, de faire découvrir l'espace, bien sûr, à tout un chacun, un grand public, des plus jeunes, parce que l'espace, ça fait partie de notre quotidien. On s'en sert pour avoir des informations sur la météo, sur toutes ces catastrophes qui sont aujourd'hui sur notre planète. On a des satellites d'observation de la Terre qui nous donnent des images absolument magnifiques. Donc tout un tas de choses qui servent à notre quotidien, mais aussi toute cette capacité à explorer des territoires encore inconnus. À la fois l'exploration et l'espace au service de notre Terre, des matières formidables. Et il faut que tout le monde y participe. Alors, tout le monde, ça veut dire bien évidemment, dans la diversité, des jeunes filles et des jeunes gens sur ces métiers-là. Et c'est vrai que dans les métiers scientifiques, les sciences dures, par exemple la physique, les mathématiques ou les sciences de l'ingénieur, on s'aperçoit que les jeunes filles ne sont pas toujours là. Sans doute, elles ne connaissent pas ces métiers. Donc c'est l'objectif aussi, en montrant des profils dans cette exposition de jeunes femmes de métiers différents, de voir comment elles peuvent avoir beaucoup de bonheur à participer à ces missions, à en être vraiment partie prenante. Et ce sont des métiers passionnants. Donc c'est un petit peu l'objectif d'utiliser voilà, l'espace, ces métiers, à la fois pour rêver et puis pour se dire que oui, c'est des métiers pour moi et les jeunes filles sont vraiment les bienvenues dans ces métiers-là. Elles y découvriront beaucoup de choses passionnantes. Et vous disiez les métiers, mais finalement c'est tout un... Enfin, c'est plein de métiers et plein de niveaux finalement de formation aussi divers. Donc ce n'est pas que des ingénieurs, ça peut être aussi des techniciens, c'est dans tous ces métiers-là. Donc c'est... Voilà, c'est oui, pas que et... l'école d'ingénieur ou c'est pas que... Voilà, qui n'est pas limitatif en termes de... Absolument, pour réaliser une mission spatiale, bon, vous voyez bien là, la complexité, il faut l'organiser, il faut développer des choses, il faut penser ce qu'on appelle des protocoles d'expérience pour les mettre en œuvre. Donc ça veut dire effectivement à la fois celui qui organise le projet, pas obligatoirement un ingénieur, mais en coopération avec l'ingénieur, le technicien qui va vérifier que tous les éléments sont corrects, l'ingénieur qui va concevoir à la fois des systèmes de communication, des systèmes de visualisation, enfin des métiers d'ingénierie dans tous les domaines, et puis les scientifiques. Alors des scientifiques là aussi, dans toutes les disciplines. Quand on s'intéresse au spatial, vous avez besoin de médecins, de biologistes, d'astrophysiciens, bien évidemment, de chimistes, toutes les catégories de sciences sont interpellées par ces missions d'exploration et de connaissances. D'accord. Et donc, pour le coup, cette exposition donc, qui a été l'initiative aussi de votre agence, hein, l'ESA, et CIPA Press, et voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un véhicule de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, c'est voilà, cette place aussi. Vous connaissez bien le sujet. Oui. Alors, je pense qu'il est très important de donner des éléments concrets. Bien évidemment, on a tous conscience aujourd'hui que la science, la technique, ça va nous donner des éléments pour apporter des solutions à ces enjeux majeurs qui sont ceux des ressources sur notre planète, du changement climatique, de la connaissance de territoires encore non explorés. Mais voilà, c'est quoi les métiers ? Donc on a voulu, avec cette exposition, effectivement, organisée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA et le CIRPA, présenter des vraies personnes qui sont aussi en contact avec vous. Voilà, je viens vous parler, Fatoumata va venir vous parler, d'autres seront présents. Donc, incarner ces métiers pour partager, pour en discuter, pour les faire connaître. Et ça, c'est important, à la fois dans les universités, au CNAM, d'avoir ces rencontres avec les lycéens et même des plus jeunes, je dirais. Mais l'éducation, elle ne se fait pas qu'à l'école et dans les centres de formation. L'éducation, elle se fait aussi dans des centres de culture scientifique et technique, par d'autres approches, par le jeu, la curiosité, le questionnement. Et il faut avoir tous ces outils
pour faire comprendre qu'effectivement, c'est pour vous. Alors, si vous aviez quelque chose à dire aux jeunes filles qui sont au lycée, qui se posent des questions sur, sur leur orientation, disons les sciences c'est un petit peu difficile, ou c'est pas pour moi, ou à dire aussi aux enseignants aussi, comment est-ce que vous auriez un petit truc pour les sensibiliser, leur dire mais si vous pouvez d'abord, et puis l'exposition effectivement c'est plutôt le public féminin, de jeunes filles, mais vous l'avez à forte raison dit aussi c'était des jeunes gens, hein, c'est pas limitatif, mm-hmm. Simplement l'exposition était là deux. Voilà. Qu'est-ce qui les entraînerait? J'ai envie de dire aux jeunes gens, aux jeunes filles et jeunes garçons, ayez des rêves, ayez des envies, ayez des questions. Ça, c'est le premier point. Ne vous contentez pas de ce que la télévision va vous fournir. Ayez vos propres rêves et vos propres désirs. Ensuite, un deuxième conseil, c'est ne laissez pas les autres vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est à vous d'essayer. Ça marche, ça marche pas, on recommence. La vie, c'est fait de réussite et d'échecs, mais on avance. Donc, c'est à vous de prendre en main. Et le troisième point, c'est il faut avoir un bagage. On ne peut pas partir dans l'aventure de la vie comme ça. Ça ne va pas arriver par chance. Il faut travailler, il faut écouter, il faut apprendre des autres et puis apprendre aux autres, bien évidemment. Donc l'école, c'est un endroit important pour avoir ce bagage et se sentir à l'aise. Et voilà, donc avoir des rêves, avoir l'audace de vivre sa vie, se former pour avoir tous les atouts pour avancer. C'est un petit peu ça, des clés que j'ai envie de donner. Et puis ensuite, avec tout ça, vous y trouverez beaucoup de passion, de bonheur, de plaisir à vivre ces métiers-là. Bien. Bah écoutez, merci beaucoup, Claudine, d'avoir pris merci. Du temps. Je sais que votre planning est quand même chargé, mais c'est vraiment c'est un beau message. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonsoir, je m'appelle Fatma Tatoulé et je suis une des participantes à l'exposition Space Girls, Space Women. Donc, en fait, il y a bientôt un an, j'ai terminé une thèse d'astronomie dans un institut de l'Observatoire de Paris, donc l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Et là, je vais présenter en fait la thématique sur laquelle j'ai travaillé pendant 2-3 ans, donc les débris spatiaux. Donc, je vais vous poser pas mal de questions, donc on va tester votre culture générale. L'ingénierie spatiale. Et ma première question, c'est est-ce que vous reconnaissez cet objet? Oui, ouais, j'ai entendu la bonne réponse, c'est Sputnik 1. Donc, c'est le premier objet artificiel qui a été lancé par l'homme. Donc, c'était le 4 octobre 1957. Donc, cet objet est resté à peu près 90 jours dans l'espace. Et en fait, il n'a fonctionné que pendant 21 jours. Et donc, pendant les 70 jours où il est resté, donc il ne servait à rien. On considère que c'est un déchet et donc un débris spatial. Et c'est le sujet de mon travail. Donc là, c'est un peu pour tracer un peu l'histoire de la conquête spatiale et de l'exploration spatiale, puisque Sputnik en fait, a marqué le début d'une longue aventure où on a commencé à améliorer les techniques d'observation de la Terre, par exemple, et où on est parti observer ce qui se passait sur d'autres planètes autour de nous. Comme je vous ai dit, Sputnik 1, donc c'est le premier déchet qu'on considère dans l'histoire du spatial. Et donc, plus le temps passait, plus on envoyait de satellites autour de la Terre. Et une fois que les satellites ont fini leur mission, en fait, on les laisse autour de notre planète. Et en fait, ce graphique montre en fait le nombre de déchets qui s'est accumulé autour de la Terre au fur et à mesure que le temps passait.
comme vous voyez sur l'image, en fait, il y a des régions où il y a un nombre très important de débris. On dit qu'il y a d'autres régions où ça va, elles ne sont pas trop nombreux. Donc ça, c'est une image d'artiste sur ce qui se passe autour de la Terre. Donc en fait, comme je dis, il y a deux régions qui sont très polluées par les débris spatiaux, en sachant qu'actuellement, on estime qu'il y a à peu près 20 000 objets qui ont une taille supérieure à 10 cm autour de la Terre, à peu près 500 000 qui ont une taille entre 1 et 10 cm, et 100 millions qui ont une taille inférieure à 1 mm. Et là, on voit qu'il y a deux régions qui sont donc très polluées, région A et région B. La région A, c'est ce qu'on appelle l'orbite basse terrestre, qui est entre 200 et 2000 km d'altitude. C'est là qu'on trouve des satellites qui permettent d'observer la Terre, qui permettent d'avoir accès à la météo. Et la région B, qu'on appelle la région géostationnaire, qui est à peu près à 36 000 km de la Terre. Et là-bas, on se retrouve en général les satellites de télécommunication. Donc ça, c'est le classement mondial des pays les plus pollueurs en termes spatiaux, donc la Chine qui est arrivée à la première. Le CIS, c'est la Russie et d'autres petits pays d'ancien bloc soviétique, l'ESA, donc c'est l'Agence spatiale européenne, et la France qui est quatrième. Est-ce que vous savez pourquoi la France est quatrième? La France est un des premiers pays en fait, qui a eu une activité spatiale, et du coup à l'époque, Kourou appartenait uniquement à la France en fait. Ah, oui. Avant que Kourou passe sous pavillon européen. Donc c'est la raison pour laquelle la France. Bon, au moins c'est bien, mais pas dans le top 3, enfin, un peu, avec l'Agence spatiale européenne, mais ça va. Donc les débris spatiaux, donc, ils ont différentes origines. Donc quand je parlais des 20 000 objets qui ont une taille supérieure à 10 cm, on retrouve surtout les satellites. Donc un satellite, il a une mission qui dure en moyenne entre 10 et 15 ans, et une fois qu'il a terminé sa mission, on va le laisser là-haut. Et en général, c'est parce que le carburant, ça coûte cher, donc on préfère le laisser là-haut plutôt que de le faire revenir. Donc ça, c'est le procédé de lancement d'une fusée, donc étape 1 jusqu'à étape 7. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout à partir de l'étape 5, en fait. Donc quand on envoie un satellite dans l'espace, il est protégé par une coiffe, et il est dans ce qu'on appelle un étage supérieur d'une fusée. Et bien en fait, ces deux structures, l'étage supérieur et la coiffe, vont permettre au satellite de passer l'atmosphère. Une fois l'atmosphère passée, donc, il y a l'étage supérieur qui va se séparer du reste de la structure, et quelques instants plus tard, c'est la coiffe qui va se séparer du satellite. Et ces deux objets, en fait, vont rester également autour de la Terre et vont mettre quelques heures, quelques jours, quelques années à rentrer sur Terre. Donc là, on va parler plutôt des débris qui sont très petits. Donc en fait, le Soleil favorise l'apparition des rides. Et bien, c'est pareil, le Soleil accélère le vieillissement des matériaux qui composent les satellites. Et donc avec le temps, vous avez des petits bouts de peinture qui se détachent des satellites et qui vont devenir des débris spatiaux. Donc ça, c'est ce dont est composé l'environnement spatial en termes de déchets. Donc, satellites opérationnels ou opérationnels, donc ces satellites, quoi qu'il en soit, qu'on n'utilise pas forcément. Certains sont encore manœuvrables depuis la Terre, d'autres par contre, on ne peut plus rien faire. Donc là, actuellement, il y a un satellite européen qui s'appelle Envisat, qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, donc, la source majeure de création des débris spatiaux, c'est ce qu'on appelle les éléments de fragmentation. Une fragmentation, c'est soit une collision ou une explosion dans l'espace. Et là, je vais montrer une vidéo d'une collision qui a réellement eu lieu en 2009. Donc, c'est une simulation qui a été faite par une entreprise. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une constellation de satellites. En gros, c'est une famille de satellites qui va tourner autour de la Terre de manière assez synchrone pour que son service soit accessible à tout moment. Donc là, c'est la constellation Iridium, et chaque satellite de la famille s'appelle Iridium 4 ou Iridium 57. Et en fait, c'est un satellite de cette constellation qui va être détruit lors d'une collision. Donc, il s'appelle Iridium 33. Donc, il était fonctionnel, et en fait, il va rentrer en collision avec un satellite russe qui s'appelait Cosmos 2251, qui lui était à la retraite depuis les années 90, et qui était là à faire son tour autour de la Terre de manière quasi infinie.
Donc la collision a provoqué plus de 3000 débris dans un premier temps entre les deux objets. Donc il y a des nuages distincts qui se forment. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ces deux nuages, donc, ils vont s'éparpiller un peu autour de la Terre de manière très concentrée au départ. Et en fait, ces débris vont pouvoir se rencontrer à nouveau. Et donc rencontrer d'autres débris pour créer de nouveaux débris, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on considère que même si aujourd'hui on a arrêté d'envoyer des fusées, des satellites autour de la Terre, ça n'empêche que juste avec cette réaction en chaîne, le nombre de débris ne cesserait d'augmenter de manière exponentielle. Et là, je vais vous montrer ce qui s'est passé en 2007 et ce qui a fait que la Chine est arrivée deuxième du classement des pays les plus pollueurs, en première même, des pays les plus pollueurs en termes spatiales. Alors, en 2007, l'armée chinoise a voulu faire ce qu'on appelle un test anti-missile. En gros, ils avaient un satellite qui s'appelle Kangyong 1C, qui avait fini sa mission. Et au lieu de le faire rentrer sur Terre, ils se sont dit bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un missile sur ce satellite. Et le missile devra impacter ce satellite de manière à ce que tous les débris générés rentrent en très peu de temps sur Terre. Sur Terre, c'est qu'on a fait un comparatif. Donc on a l'énergie cinétique
d'un débris spatial, donc sans sa vraie énergie cinétique, et on va faire un parallèle avec des objets qu'on connaît sur Terre. Donc l'énergie cinétique, c'est une formule simple, donc c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc la masse du débris et la vitesse très importante du débris. Donc là, on va prendre l'exemple d'un débris qui a une taille d'un centimètre. Donc il a la taille d'une multi, ça fait, je crois en termes de masse, ça fait pas plus de 2 grammes par là. Et le débris est en aluminium. À votre avis, à quoi peut-on comparer un débris d'une taille d'un centimètre en termes d'impact avec un objet qui nous est pas trop commun mais qu'on connaît quand même, en termes d'impact? Une balle? Faut veiller bien. Sinon, on fait un exemple là, comme ça, ça va vous inspirer pour votre exemple. Plus. Donc, un débris qui a une taille d'un centimètre, qui vous arrive avec une vitesse de 7 km par seconde, c'est comme si c'était une imprime de 400 kg qui arrivait sur vous à une vitesse de 47 km/h. Donc, du coup, comme vous avez eu un exemple, on va passer à un exemple un peu plus grand. Donc 5 cm, soit la taille du prêt. J'entends un camion. Voilà, c'est pas mal, du coup. Donc un bus, il y a un bus qui arrive à près de 137 km/h. D'une masse de 6 grammes. Et 10 cm. Soit la taille d'une balle de football. Un avion. J'entends un avion. Voilà. De 35 tonnes et une vitesse de 160 km/h. Et c'est pour ça que ce qu'on redoute au plus quand on reste les spatiaux, c'est quand il y a des collisions entre gros objets sur. Et donc, parmi les solutions qui sont préconisées pour lutter contre la prolifération des débris, c'est certes faire des méthodes de prévention, mais là, en fait, on est forcé de procéder à des méthodes de nettoyage. Pourquoi? Parce que déjà, le nombre de débris ne cesse d'augmenter, mais c'est surtout que la NASA fait des calculs démontrant qu'à l'horizon 2025, si on envoie un objet dans l'espace, il va forcément rencontrer au moins un débris sur son trajet. Et le problème, c'est que tout à l'heure, il y a la région B, qui est à 26 000 km. C'est beaucoup trop loin pour nous. Ça va coûter très cher en termes de carburant. Donc, pour l'instant, la solution qui a été préconisée pour cette région-là, c'est d'augmenter l'altitude des satellites qui ont mis en mission. C'est-à-dire qu'on va les éloigner de la région de 36 000 km. Et en fait, du coup, actuellement, autour de la Terre, vous avez ce qu'on appelle une orbite cimetière. C'est la solution intermédiaire qui est trouvée pour l'instant. Et donc, en fait, toutes les techniques de nettoyage qui sont proposées, c'est uniquement pour les débris qui évoluent en orbite basse terrestre, donc entre 200 et 2000 km. Et même si la technique, il y a eu de tout, et il y a beaucoup de choses qui ont été proposées, le principe reste le même, c'est comment faire en sorte que les débris se retrouvent dans l'atmosphère pour que l'atmosphère fasse son travail, enfin, fasse ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Et donc, parmi ce qui a été proposé, c'est le principe du filet. Vous lancez un filet sur le débris et un mécanisme sur le filet qui va tirer le débris vers l'atmosphère. L'autre chose, c'est ce qu'on observe au milieu, c'est ce qu'on appelle électrodynamique Tether. En gros, c'est un câble qui va créer un champ magnétique autour du débris qui va modifier sa rotation et qui va ensuite modifier sa trajectoire de manière encore une fois à ce que le débris rentre sur Terre. Et la dernière méthode, enfin là c'est une méthode que je présente parmi tant d'autres, c'est aussi une méthode où on capture le débris avec un fil. Et le fil va faire en sorte également de modifier la rotation du débris pour qu'il rentre également sur Terre. Donc il y a plein de méthodes de ce type, comme aussi d'accoler un espèce de système sur le débris. Il y a un ballon qui se gonfle, et ce ballon en fait va modifier la surface du satellite, du débris qui est présenté par rapport au Soleil, et donc également modifier la trajectoire du débris. Donc pour l'instant, aucune de ces méthodes n'a été testée dans des conditions réelles. La principale raison, c'est que ça coûte très très cher et que les débris, ben, c'est pas rentable pour l'instant.
Et il y a aussi un autre volet très intéressant sur cette problématique, c'est celle du droit spatial. En fait, les calculs, les chercheurs ont fait des calculs et montré que pour qu'une mission soit rentable, il faudrait, pour une mission de nettoyage, qu'elle retire au moins 5 ou 10 débris, je ne sais plus, entre 5 et 10 débris pendant la même mission. Mais le problème, c'est que quand on regarde les débris qui sont à côté les uns des autres, il y en a un qui appartient à la France, l'autre à la Chine, l'autre à la Russie, l'autre à l'Inde, l'autre au Japon. Mais vous, ici, dans la salle, en tant qu'européen, vous n'avez pas le droit de toucher un satellite qui est chinois ou indien. Donc il faut au préalable négocier avec tous les pays pour toucher leurs débris. Et surtout, vous avez intérêt à être sûr que votre méthode ne va pas échouer. Parce que si votre méthode échoue et que vous provoquez les débris derrière, c'est vous qui est payé. Donc là, je sais que j'ai une petite histoire où il y a un débris qui avait détruit un satellite. Donc l'opérateur, enfin, l'entreprise qui appartient au satellite, a dit « Ah ben ça, c'est un débris américain, donc les Américains vont payer. » Les Américains ont fait des calculs, ont dit « Non, c'est pas nous, c'est les Français. » Les Français, en tout cas, ils ont fait des calculs, ont dit « Non, mais c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre en fait. » Parce qu'on sait très bien que lorsque vous détruisez un satellite, parce qu'un satellite, ça apporte des millions d'euros par an, eh bien vous allez payer très très cher. Surtout quand on sait que l'activité spatiale rapporte des milliards d'euros par an et que ça ne cesse d'augmenter. Donc moi, dans mon travail, je suis intéressée à ce qu'on appelle les constellations de CubeSats. Donc ça a été les nouveaux entrepreneurs du spatial, tels que SpaceX, avec Elon Musk ou Jeff Bezos d'Amazon. En gros, c'est un CubeSat, c'est un satellite cubique qui a une masse qui peut être de 1 kg, 2 kg ou 3 kg. Et il va en envoyer par 8 500, par exemple, autour de la Terre. Et comme ça, ils vont pouvoir lancer pour pas très cher beaucoup de satellites qui vont rapporter beaucoup, parce qu'avec ces satellites-là, on peut mettre en place un système de télécommunication. Et dans ma thèse, en fait, j'ai vu que si deux CubeSats rentrent en collision, ça fait 30 000 débris en moyenne. 30 000 débris pour des tailles centimétriques, hors des tailles centimétriques par millimétrique, c'est des tailles qu'on ne peut pas observer depuis la Terre. Par exemple, quand le télescope spatial Hubble a dû être réparé à un moment donné dans les années 90, donc ils ont changé les panneaux solaires de Hubble dans l'espace et ils ont fait revenir sur Terre les anciens panneaux solaires. Et on s'est rendu compte que sur les panneaux solaires de Hubble, il y avait beaucoup de petits impacts en fait, dessus. Et en fait, c'est la preuve que des petits débris avaient percuté le télescope. Mais sans ça, on n'aurait jamais pu savoir qu'en fait, le télescope avait été victime du ski de collision. Et c'est une raison pour laquelle, sur la Station Spatiale Internationale, vous avez des caméras embarquées qui surveillent en permanence l'environnement proche de l'ISS. Et chaque jour, l'ISS, en fait, est manœuvrée de manière à esquiver justement ces débris qu'on ne peut pas observer depuis la Terre. Donc voilà, c'était la thématique d'environnement spatial. J'espère que ça vous a plu. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou une question ? Moi, j'aurais juste savoir quel est votre parcours avant d'arriver à ce travail de recherche. Alors, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis partie à l'université où j'ai fait une licence en ingénierie mécanique. Et à l'époque, il n'y avait pas de filière pour être plus spécialisée dans le spatial. Donc en fait, j'ai fait un stage, je partais en parcours master mécanique des fluides, qui est l'étude du mouvement des gaz liquides. Et d'ailleurs, quand j'étais en master 1, j'ai fait mon stage à ICAR, le laboratoire ICAR, c'est trop marrant. pas y croire. Et donc, après ça, en fait, j'ai eu l'opportunité de partir au Japon pour être formée pendant un an à l'ingénierie spatiale. Et donc, en fait, d'abord, on m'a envoyé. On a travaillé sur un CubeSat, donc on a envoyé dans l'espace, grâce à un partenariat, etc. Donc en fait, il était d'apprendre à construire un satellite, et aussi on devait surveiller du coup avec un système de monitoring qu'on avait au sein du laboratoire. Et une fois que j'ai terminé mon master donc, au Japon, je suis revenue à Paris, j'ai fait un autre stage à l'ONERA, sur un sujet lié au spatial. Et ensuite, j'ai travaillé comme ingénieur. Et après, j'ai commencé une thèse d'astronomie au sein de l'Observatoire de Paris sur les débris spatiaux. Voilà.
comme quoi finalement il y a, par rapport à la thématique, on peut arriver à travailler sur l'espace sans passer forcément par une école d'ingénieur, mais directement par un master, enfin directement. En fait, ce qui compte, c'est les stages qui vont bien orienter, enfin, qui vont vous quelles compétences pour que vous puissiez prétendre à travailler dans le domaine spatial. Ouais. Alors, vous aviez, juste un peu, vous aviez beaucoup de collègues féminins dans vos promos de master et ou pas? Non, mais enfin, c'est pas bien, mais faut s'habituer. Ouais, ouais, mais en fait, c'est qu'on avait 4 ans. Enfin, en licence 1, on est beaucoup d'étudiants. Après, il y a un tri qui se fait. Et après, bon, j'ai eu quasiment tout avec qui j'étais en licence de chimie et de biologie. Et je crois au master, on était peut-être 2 ou 3. Après, bon, en conférence, c'est des 4 ans, il n'y a pas de souci. Et en thèse, on a quand même pas mal de filles, je trouve. Donc en thèse, on a pas mal de filles, mais par contre, pour avoir un poste permanent, là, c'est des 4 ans au niveau des femmes chercheurs. Mais ça s'explique parce qu'après une thèse, normalement, on fait des post-docs. Maintenant, ça dure plus longtemps parce qu'il y a nettement moins de postes, il y a plus de compétitions et il faut avoir, enfin, pour avoir un dossier, il faut avoir fait plusieurs post-docs, donc c'est des idées de recherche et il faut les faire à l'étranger. Donc quand on finit sa thèse vers l'âge de 26-27 ans, vous faites 5-6 ans de post-doc, vous arrivez à la trentaine, c'est ce que ça veut dire, mais une femme va se dire les enfants, la famille, tout ça. Il me semble que L'Oréal avait fait une enquête sur ça qui montrait le nombre de femmes qui disparaissent avec les âges. Tu peux dire par rapport à ta carrière, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu continues en recherche ou justement tu vas faire comme peut-être des femmes, comme tu dis, une famille ou tu vas quitter? C'est quoi ton projet pour l'année? Moi, mon problème, c'est que je veux tout faire en même temps. Donc, pour l'instant, je ne me pose pas la question de famille. En fait, c'est. J'arrive pas à résister, en fait. Enfin, non, mais je ne sais pas. Non, c'est, là, pour l'instant, je suis toujours à mon institut. Donc, je travaille toujours sur les données spatiaux, mais en même temps, je travaille un peu dans ce qu'on appelle le service de calcul astronomique et renseignement, où en fait, on traite. Les questions du grand public par rapport à l'astronomie. Après, je ne sais pas encore si je vais partir en postdoc ou plutôt aller dans l'industrie. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec mon sujet, enfin, je sais que. Enfin, moi, j'ai fait une thèse de recherche appliquée, donc je peux postuler dans une entreprise privée du type Airbus, ADS. Mais à voir. D'autres questions? Merci. Merci. Merci pour vous. Maintenant, on va demander à Céline de venir. Ok. Donc, je m'appelle Céline Educator. Je suis chargée de recherche au laboratoire ICAR à Orléans. Et donc il y a trois jeunes de mon laboratoire qui sont là. Donc pour le parcours, on m'a dit de parler du parcours et de recherche. J'ai un diplôme de génie mécanique et j'ai participé au programme MIT France pour venir en France pour découvrir ce qui se passait ici. Et ensuite, j'ai continué mes études à l'IX à Paris, au laboratoire de physique des plasmas. Donc, j'ai toujours été intéressée donc, à la fois par la mécanique, donc la robotique par exemple, aussi par l'espace. J'ai participé au programme étudiant sur l'espace et aussi par la physique des plasmas que j'ai découvert en profondeur en France. Donc, j'ai fait 2 ans d'études postdoctorales avec mon CNES après ma thèse. Et ensuite, j'ai été recrutée en 2011 en tant que chargée de recherche donc, au laboratoire ICAR. Donc, je suis actuellement CA1 en physique des plasmas. Et ce laboratoire, c'est essentiellement, c'est majoritairement un laboratoire de combustion. Mais on a une équipe
avec Stéphane Mazouf qui travaille sur la propulsion par plasma, donc la propulsion appliquée aux vaisseaux spatiaux et aux satellites. Donc il y a une autre équipe qui travaille aussi sur les rentrées atmosphériques, donc c'est comment faire revenir les vaisseaux spatiaux sans qu'ils brûlent dans l'atmosphère. Donc Sandra Kumar et Thèse, ils travaillent sur ce sujet-là. Donc, j'ai parlé des plasmas, je ne sais pas si vous connaissez les plasmas, mais en gros, vous connaissez les états, les trois états, la matière, le solide, le liquide, le gaz. Et typiquement, si on veut passer... typiquement, si on veut passer d'un état à l'autre, typiquement, la porte d'énergie, par exemple, on chauffe le solide, on casse les liens, on passe à l'état liquide. Et si on chauffe davantage, on passe à l'état gazeux, dans lequel les atomes sont séparés par des très grandes distances. Alors maintenant, pour l'état plasma, si on continue à porter de l'énergie à l'état gazeux, on peut finalement arriver à séparer des particules constituantes, donc passer de séparer le noyau positif d'un côté et des électrons de l'autre. Donc ça c'est l'état plasma, c'est un état très énergétique, des particules avec des mouvements très complexes et souvent mal maîtrisés. Et c'est un état aussi qui est très complexe parce que ça, ces particules chargées sont aussi, dépendent aussi au champ magnétique et au champ électrique. Donc, dans mes études, je cherche surtout à maîtriser, à comprendre l'origine de certains phénomènes qui ont lieu dans les plasmas grâce aux dynamiques de ces électrons. Et c'est quelque chose qui touche aussi à la domaine spatiale, puisqu'on s'en sert de ces plasmas pour propulser les vaisseaux. Donc, les plasmas, ici, je donne juste quelques exemples pour vous rappeler que les plasmas ne sont pas, c'est pas un état très exotique. Vous trouvez le soleil par exemple, les aurores qu'on peut voir qui sont grâce à l'interaction des particules chargées avec les atomes de notre atmosphère. On a aussi maintenant une domaine émergent de plasma médecine. Donc par exemple, il s'agit de traiter même des cancers avec le plasma, de traiter des désinfectés des objets ou de traiter même des maladies de peau avec le plasma. On a aussi beaucoup de la foudre, comme vous voyez là. Et on a aussi, comme vous savez, en France, il y a le projet ITER, qui est destiné à justement générer de l'énergie avec la fusion. Donc on a le réacteur de fusion, donc ça c'est une image d'un tokamak. Donc c'est une machine destinée à étudier la fusion. Et enfin, le sujet dont je vais vous parler, c'est les propulseurs plasma. Donc les propulseurs plasma, vous voyez un satellite là-bas, à côté de la Terre. Et la plume bleue qui sort, c'est le plasma qui permet justement de se déplacer ces satellites. Donc, pour les satellites et les sondes spatiales, on connaît bien la technologie qu'il faut pour sortir de la Terre, pour quitter la Terre. Donc, par exemple, si on veut déposer des sondes en orbite, ou des satellites en orbite, on a besoin d'un propulseur chimique qui livre une poussée extrêmement grande. On a besoin de cette technologie pour s'échapper à l'attraction terrestre. Mais une fois qu'on a quitté la Terre, on se dispose d'autres moyens pour bouger les objets. Donc, typiquement, dans l'image au centre que vous voyez là, cette image montre une vue d'artiste des satellites autour de la Terre, qui se donnent dans les positionnements contrôlés par les propulseurs à plasma. Et la troisième image que vous voyez là, c'était aussi une vue d'artiste de l'émission Smart One de l'ESA, qui a relié la Terre à la Lune en utilisant uniquement des propulseurs à plasma. Donc, un de mes axes de recherche concerne effectivement les moteurs qui permettent justement de dépasser ces ondes. Il s'agit du propulseur de Hall, qui est montré ici en coupe. Donc, c'est un objet assez compact par rapport au gros fusée que vous pouvez voir. Typiquement, la taille des propulseurs qui sont installés actuellement à bord des plateformes des télécoms sont de cette taille. Donc, c'est
petit. C'est une géométrie assez simple, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que typiquement on injecte les ions dans des particules positivement chargées, et on dépend aussi du fait qu'on essaie de restreindre le mouvement des électrons proche de la sortie. Donc on essaie de confiner les électrons par le champ magnétique. Donc ce que vous pouvez voir ici au centre, ça c'est la belle plume justement de ce professeur, donc c'est une cliché prise dans notre laboratoire, d'un professeur de 5 kW en fonctionnement. Donc ce sujet, les études sur ce type de professeur par exemple, les vrais professeurs qui sont utilisés pour les abordés satellites, c'est un sujet actif dans le laboratoire. Troisième image montre quelqu'un, le père justement de cette technologie, Alexey Morozov, qui a inventé essentiellement la même architecture en Russie, comme vous pouvez voir, depuis quelques décennies. Et on sait que malgré le fait que cette technologie existe depuis plusieurs années, c'est souvent maintenant que cette technologie prend de plus en plus d'ampleur. Il y a plus de vision. Et il reste aussi certaines questions encore mal maîtrisées. Et c'est une question qui freine justement l'application de ces technologies. Donc ça, c'est ce que j'essaie de résoudre. Certaines questions liées à pour optimiser la performance de ces moteurs. Donc, je vais vous parler tout à l'heure des électrons. Donc, ça, c'est au cœur de mes études. On sait que les électrons ont une trajectoire, comme je l'ai dit, très complexe. Donc, ce sont des particules chargées. Si vous mettez un champ magnétique, vous allez changer de trajectoire. Et typiquement, dans ces moteurs qui sont conçus avec de grands soins, qui volent déjà, on constate que malgré le fait qu'on a sont conçus pour confiner les électrons dans une sorte de donut en sortie, il y a une grande quantité d'électrons qui s'échappent à ce confinement. Donc, plutôt que d'avoir des électrons qui suivent les lignes de champ et qui grandissent de manière très contrôlée, on finit avec un grand nombre d'électrons qui s'échappent et qui rentrent dans le moteur, contrairement à ce que l'on souhaite. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des pertes d'efficacité. Donc, finalement, vous n'avez pas le rendement qu'il vous faut. Vous pouvez aussi, donc, avec ce type de problème, même éroder le moteur davantage. Donc, ce que vous souhaitez faire, par exemple, sur les plateformes, de laisser en orbite ces plateformes pendant 15 ans, et avec ces électrons mal, dans des trajectoires mal maîtrisées, vous pouvez finir par éroder plus vite votre moteur, qui est mauvais, comme vous pouvez voir. Un autre problème lié à cette question de trajectoire mal contrôlée, c'est que c'est très difficile ensuite de modéliser et de développer des nouveaux moteurs. Parce qu'à ce stade, on est obligé de construire les nouveaux modèles, de manière complètement empirique. Donc on fait quelque chose d'une certaine taille, on le teste, on le qualifie pour le vol, et c'est des tests de qualification qui coûtent plusieurs millions d'euros. Et donc c'est quelque chose qui est prohibitif. Donc vous ne pouvez pas facilement changer de technologie, puisque vous ne savez pas si vous passez à un professeur qui est 5 fois plus bon, quelle sera la performance. Il faut le tester au sol. Et donc, pour une comparaison que je cite souvent, c'est de penser par exemple pour les avions. S'il fallait faire voler un avion avant d'être sûr qu'il va passer crasé, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire avec le professeur actuellement, puisqu'on n'a pas de connaissances physiques suffisamment fines pour maîtriser des problèmes tels que le trajectoire des électrons. Donc, les électrons sont aussi, sur le point 2, sont très énergétiques. Et l'autre problème qu'on trouve, c'est le fait qu'il y a très peu de méthodes qui nous permettent, par exemple, de mesurer la température, de mesurer la densité. Donc, tous ces problèmes, je mets au centre le problème principal aujourd'hui, c'est de modéliser et de développer des nouveaux moteurs. Puisque dans le futur, si vous aimez la science-fiction comme moi, vous avez toujours de missions possibles, des choses qu'on peut faire, par exemple, le transport de gens, le transport de cargo. Et ici, je montre, par exemple, une de ces missions qui était déjà prévue par la NASA, mais qui sera abandonnée suite au problème budgétaire. C'est une mission ARM qui est censée utiliser justement ces technologies pour faire déplacer
un astéroïde, un petit un morceau de rocher de l'astéroïde. Et donc cette mission a été censée montrer que c'était possible, avec ces technologies, de faire certaines manœuvres, de capturer un objet et d'en exécuter. Donc, pour que ces missions deviennent une réalité, et une mission encore plus ambitieuse, on a besoin de maîtriser certains problèmes. Donc, sur mon travail, sur les électrons, je focalise de comprendre d'abord les phénomènes qui mènent à ces mouvements mal contrôlés, et aussi de développer les diagnostics nécessaires pour les informer de manière très fine sur les propriétés des électrons. Donc ici, là, je montre juste résumer quelque chose, résumer très brièvement. Un diagnostic que j'ai développé qui s'appelle Praxis, qui est basé sur la prise en Thomson cohérente. En gros, vous envoyez un laser à travers le plasma et vous pouvez remonter dans certains régimes à l'information sur la fluctuation de la densité électronique. Et cette information sur la fluctuation de la densité électronique vous informe aussi sur la présence de certains ordres, des 200 milliers. Et ce qu'on a trouvé donc expérimentalement, on a pu identifier justement une onde qui était prédite déjà dans l'estimation, mais jamais trouvée dans ce professeur, qui est maintenant le candidat le plus probable pour ce trajectoire mal maîtrisé des électrons. Donc maintenant qu'on sait qui est probablement l'acteur, on peut passer au modèle qui est l'intègre et obtenir une description physique, on espère, qui sera suffisamment fidèle pour pouvoir concevoir le moteur de manière non-empirique. Donc, ces images montrent le diagnostic, je ne parle pas en détail, mais ça c'est une photo lors d'une campagne expérimentale sur l'endroit laissé à Orléans. Donc ici, ça fait explication d'un champ d'un vide dans lequel un professeur à plasma est installé. Donc typiquement, je travaille sur un moteur de 5 kW pour cette campagne. Il s'agit d'une chambre qui fait 2,2 mètres de diamètre et 8 mètres. Donc il continue dans la salle à côté, mais il fait 8 mètres de long. Et l'idée avec ce type de chambre, c'est de pouvoir le pomper à une vide, intervalle vide, donc simuler les conditions spatiales le plus que possible, faire tourner le moteur et après utiliser des diagnostics dans Praxis, par exemple, à étudier justement la physique. Du plasma. Donc le deuxième diagnostic, c'est basé sur cette fois sur le film Thomson incohérent. Encore ce diagnostic qui vise les lasers. Et l'idée ici, c'est qu'on obtient une autre signature sur les propriétés électroniques grâce à l'envoi d'une onde électromagnétique à travers le plasma. Et l'idée ici, c'est qu'on peut augmenter avec ce signal diffusé à la densité et à la température des électrons. Donc c'est typiquement c'est une approche, la difficulté ici, dans cette vie du plasma est différente par exemple par rapport au plasma de fusion. Parce que ici on a affaire typiquement à des densités de plasma très faibles. Et donc la difficulté ici c'est de faire obtenir un diagnostic qui était beaucoup plus sensible que les diagnostics actuels. Et on a aussi mis au point un diagnostic, donc ce diagnostic, c'est un fetus. Qui est beaucoup plus compact par rapport au diagnostic existant pour ce type d'application. Donc ici, juste quelques clichés prises au laboratoire. Et mon docteur Benjamin, qui est en train de travailler sur ce diagnostic sans synthèse, sur l'application de ce diagnostic, non seulement sur les plasmes de propulsion, mais aussi sur d'autres ressources en plasma qui nous intéressent. Et donc, je vais juste résumer avec quelques images pour les amateurs de science-fiction. Donc pour moi, c'est juste Star Trek, mais j'ai mis quelque chose pour les fans de Star Wars aussi. Souvent, on voit ces jolies images et ça fait vraiment rêver. On souhaite y aller, on souhaite être sur justement ces types de vaisseaux. Et vous remarquerez que souvent, ils ne parlent pas du tout des technologies. Comment ils arrivent à y aller? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît un rêve, mais pour la propulsion par plasma, c'est quelque chose qui, par exemple, qui est une technologie qui paraît très exotique, mais on a ça entre les mains. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir obtenir une connaissance suffisamment bonne de notre plasma
de pouvoir faire des modèles propulseurs encore plus puissants, encore plus avancés, et peut-être qui sait passer un jour aux technologies comme OneDrive, etc. Mais il faut juste savoir que les technologies du futur se rapprochent. Et donc c'est vraiment dans les laboratoires qu'on essaie de creuser, d'attaquer les problèmes qui datent de toutes ces années, en espérant un jour justement être sur le chemin de Paris. Merci pour votre question. Merci. Est-ce qu'il y a des questions C'est votre amour de la science-fiction qui vous a fait lancer dans ces études? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, complètement. Comme quoi, tout peut amener à des études scientifiques. Oui, oui. Mais je pense que dans les laboratoires, il y a beaucoup de matières de science-fiction. La plupart du temps, on se bat des fois. Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est bien, c'est pas intéressant. Oui. Et vous encouragez plutôt? Oui. Qu'est-ce que t'apportes en tant que femme? Si tu serais un homme, tu pourrais faire le même travail. Qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qui fait que quand on est une femme, et ben, on aborde les plasmas de manière différente? Ou est-ce que la femme apporte une dimension, je sais pas, féminine, enfin, c'est bête, mais qu'est-ce qui change en fait entre le fait d'être une femme ou un homme dans la recherche? Qu'est-ce qui change? Je pense que les différences entre les personnes, c'est pas forcément une femme, homme qui se marque, mais vraiment des gens, effectivement, avec des différentes personnalités, des gens apportent, ils ont différentes manières d'aborder les problèmes. Femme, homme, je n'ai pas de différence en termes d'approche. Finalement, c'est ça le plus terrible, c'est que peut-être qu'il n'y en a pas et la femme est sous-représentée alors que finalement elle fait le même. Oui. Je pense que peut-être quelque chose qui peut. Peut-être que je trouve, peut-être que c'est peut-être une question de patience, mais les femmes sont peut-être un peu plus humbles. Donc, je vais déjà dans les conférences quand je vois des doctorantes qui viennent se présenter, elles ont tout à fait les mêmes compétences, mais elles hésitent un peu plus que d'autres à aborder les gens ou à vraiment dire c'est ce que j'ai fait, ce que je pense. Et je pense qu'il faut juste, je pense que l'exposition fait, montrer les gens qu'elles peuvent faire ce genre de carrière. Et donc il n'y a pas de raison d'hésiter ou de ne pas avoir confiance en eux-mêmes. Et je trouve en fait ce que je disais à mes collègues. Récemment qu'en France, je trouve que les femmes sont très très bien représentées par rapport à d'autres pays, même les États-Unis, dans les domaines comme la physique. Dans mon ancien labo, la moitié des chargés de recherche étaient des femmes. Et donc, au moins, ce que j'ai pu constater en France, c'est que c'est très bien par rapport à d'autres. Il faut continuer comme ça. Et effectivement, il n'y a pas de différence dans les capacités des femmes à faire la recherche. C'est juste pour continuer à encourager les gens justement à réaliser leur potentiel, je pense. D'autres questions? Moi j'en ai une, mais alors c'est vraiment une question de néophyte. Le plasma pour la propulsion dans l'espace, c'est parce que c'est du vide. On ne pourrait pas le faire sur Terre. D'accord.
Oui, donc, vous avez entendu la question. C'est un peu justement utiliser ce plasma, puisqu'il y a des villes. Typiquement, on a affaire à des poussées qui sont très faibles, mais une fois qu'on est dans l'espace où il n'y a pas de fondement, c'est quelque chose, on continue à accélérer en permanence, donc on peut prendre des vitesses très élevées. Donc ça met plus de temps, mais finalement, l'avantage, par exemple, par rapport à la propulsion chimique, c'est le fait que vous dépensez beaucoup moins en termes de carburant. Donc, par exemple, pour la mission Smart One de l'ESA, entre la Terre et la Lune, c'est une mission qui a utilisé uniquement la propulsion par plasma et a utilisé, par exemple, l'équivalent du remplissage du bidon de votre voiture, par exemple. C'est juste ça pour parcourir tous ces millions de kilomètres. Donc, c'est quelque chose qui est très économe en carburant, ça met du temps, mais une fois que vous êtes là, vous économisez beaucoup en termes de ce qu'il faut apporter comme carburant. Bien, merci Célina d'avoir réussi à traduire en langage à peu près simple un sujet qui n'est pas forcément, enfin pour un non-connaisseur, qui n'est pas simple aussi. Et merci aussi à Tomata aussi, pareil, d'avoir traduit simplement pour nous des choses. Et bravo pour vos parcours, parce que c'est quand même sacré parcours, et qui montre que ce que vous venez de dire. À une femme, voilà. On parle bien de compétences et pas de différence entre hommes et femmes. Et c'est ça qui est le message aussi important à faire passer et à se battre aussi pour ça. Donc ben, je vous remercie beaucoup et merci aussi aux collègues de Célina du CNRS d'être venus et peut-être matin, l'Observatoire. Et à tous d'être venus pour cette exposition qui est, alors pour ceux qui sont venus vous pouvez aller regarder dans le couloir du CNAM l'exposition qui est là. Un dernier mot ou pas ou non? Non, merci à ceux présents d'être venus. J'espère que vous aurez apprécié cette soirée et on espère pouvoir renouveler ce type d'événement. Et merci beaucoup à nos conférencières qui nous ont bien intéressés. En tout cas, les présentations, comme tu disais, qui étaient simples à entendre, qui donnent envie. Enfin, on est heureux de vous voir vivre ce que vous nous présentez et c'est ce qu'on souhaite aussi pour nos enfants quand ils parleront de leur métier. Voilà. Merci.